Qu'est-ce que l'autre vous a dit que vous n'avez pas entendu et qui a généré la rupture? Donc là, je vous donne les éléments de fondamentaux pour la drague. Là, maintenant, on est sur le décodage. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'adore vous retrouver. C'est un vrai bonheur. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc j'aime à dire que je suis Love Coach depuis la fin des années 80, même si avant, je disais 2004. 2004, c'est la création des Cafés de l'Amour. La fin des années 80, c'est la création de mon agence de rencontres. Et ça m'a donné une expérience incroyable. J'ai pas peur d'aller aborder les sujets qui fâchent. J'ai quand même beaucoup dragué. Les petites annonces d'abord, les sites. Avant les sites, j'ai dragué sur le Minitel. Et j'ai dragué dans la vraie vie, parce que tout ce que je raconte dans mes bouquins, je l'ai expérimenté. Donc le prochain, c'est Le Bon, qui est le premier qui est en poche. L'autodiagnostic amoureux, qui est un livre en fait pour détecter les abus. Le livre sur le sabotage, je l'ai en poche aussi. Et J'arrête d'être célib, qui est celui qui est spécialisé pour les applis. L'étape numéro 2, c'est le décodage. Alors, qu'est-ce que c'est que le décodage? Ce que l'autre dit et que je n'entends pas. Donc ça, c'est l'erreur de base. L'autre me dit, je sors d'une histoire, on n'a pas liquidé les biens avec mon ex, je vis chez mon père, je ne sais pas où j'en suis, je viens de me séparer, je sors d'une cruella, etc., etc. J'ai besoin qu'on me redonne envie d'avoir envie. Vous voyez, le genre de choses que les autres disent et que vous n'entendez pas, qu'est-ce que vous avez déjà vécu, vous, que vous n'avez pas entendu et qui a fait que, par exemple, j'ai un problème de santé, ouais non, mais c'est pas grave, et puis le problème de santé occupe tout l'espace. Je ronfle la nuit, mais c'est pas un petit ronflement charmant, c'est un ronflement énorme qui vous oblige à changer de pièce. Alors, qu'est-ce que l'autre vous a dit que vous n'avez pas entendu et qui a généré la rupture? Allez, dites-le-moi dans le chat. La personne n'a jamais réussi une relation amoureuse. Très bien, ça c'est intéressant. Quand un homme de 40 ans voit sa mère toutes les semaines, ben, ça dépend quel âge il a et si c'est pour les enfants. Mais s'il est célibataire sans enfants, je suis séparée mais je vis encore avec elle. Bravo Fouzia, dégage, dégage. Je ne veux pas m'engager. Bravo Asia. Mon ex-femme me repoussait, il avait besoin de toucher, on voyait des photos de son torse par les sexes. Très bien Fadela, à dégager, il me parle toujours de sa mère. Très bien Julia. Je suis au tribunal, dit Marie-Christine, donc elle est jugée. Très bien, il ne parle que de lui. Très bien. Qu'est-ce que l'autre dit que je n'entends pas? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il n'est pas disponible le week-end. Très bien. Il est en thérapie depuis 30 ans. Très bien. Le mec me contacte qu'à des moments précis. Très bien. Ne dit pas qu'il a des enfants. Très bien. Vous voyez, il drague constamment. Il drague constamment. Oui, effectivement, s'il disparaît le week-end et qu'il est célibataire, il peut draguer. Il est en divorce. Absolument. Ben ça, on sait ce que ça va donner. Toutes ses ex l'ont quitté pour la même raison qu'il ne le dit pas. Ah, ça pue. Séparé ou divorcé, il floue. Très bien. Surtout s'il n'était pas marié, c'est un libertin. Bah ça, il le dit. Hein. Là, il le dit. C'est toi qui lui disais, mais je vais le faire changer. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Bravo, Janie, ça, ça pue. C'est toujours lui qui appelle et jamais dispo quand c'est moi. Tiens, 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 bravo. Ami avec une femme qui n'a pas voulu de lui, soi-disant. Ouais, ça, ça pue. Ou avoir beaucoup de copines. Ne pose pas de questions. Très bien, ok, on passe à l'étape d'après. N'est pas bavard ni au téléphone. Donc, c'est ça, le mec, il fait le minimum syndical. Très bien. Très bavard et théorie sur la vie de couple et comment il est galant, ne juge pas. Ah oui, il parle beaucoup, il dit qu'il est galant, il dit qu'il juge pas. C'est ça, il se vend. Ouais, le mec qui se vend. En fait, quand il se vend, c'est qu'il a un truc à se faire pardonner parce qu'il n'est pas clair ou qu'il veut cacher quelque chose. Toutes ces raisons qui font que vous vous faites avoir parce que l'autre ne dit rien, mais vous devriez l'entendre, c'est parce que vous ne posez pas les bonnes questions avant le rendez-vous. Donc, ce que je ne demande pas, ce sont les questions que je n'ai pas posées parce que j'ai peur de quoi? De quoi vous avez peur? Si vous ne posez pas de questions, vous avez peur que l'autre, allez, dites-le-moi dans le chat, vous n'osez pas poser de questions parce que voilà, vous avez peur du rejet, vous avez peur qu'il dégage. Et ben moi, je vais vous dire un secret. Ça marche dans les deux sens, les filles et les garçons. Si l'autre vous dégage parce que vous avez posé une question, ciao, tu pues. Il semble enfermé, peur de l'énerver. Si vous l'énervez, Ségolène, eh ben c'est qu'il n'a pas du tout envie de jouer le jeu. Le mec est clair, il va répondre aux questions. Et vous pouvez lui dire, est-ce que ça t'ennuie si je te pose deux, trois questions? Bien sûr, tu pourras me les reposer. Le mec, en fait, il dit, avec plaisir, au contraire, apprenons à nous connaître. Donc vous voyez, ce que vous ne demandez pas, c'est parce que vous avez la trouille de la solitude. Mais on va en reparler plus tard. Et puis bien sûr, ce que vous acceptez, genre d'aller directement chez lui, accepter d'envoyer trop de photos, absolument. Vous avez trois photos sur le site, ça va. Parce que si vous commencez à en envoyer, il vous voudra des selfies, il voudra un maillot de bain et compagnie. Donc, les photos, elles sont sur le site. Si on voit votre silhouette, si on voit votre bouille avec deux, trois angles, ça suffit, absolument. Oui, ça suffit. Donc, ce que j'accepte de le voir la veille pour le lendemain, n'est-ce pas Audrey? Oui, il m'a appelé aujourd'hui et puis... Non, je ne suis pas libre la veille pour le lendemain. Audrey, quand le gars vous appelle et puis qu'il vous propose demain, ça ne vous travaille pas, ça vous arrange, ou jeudi, vendredi, ah, j'aurais adoré te voir demain, je ne travaille pas, mais malheureusement, j'ai déjà prévu quelque chose. C'est comme ça qu'on éduque. Ça marche dans les deux sens. Ça s'éduque des deux côtés. Oui, Audrey, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous apprenez. Donc, ce que j'accepte, et bien sûr, j'analyse son rythme. Donc, son rythme, c'est le temps qu'il met à répondre, à vous écrire. Vous avez des gens qui sont plutôt fusionnels. Il y a des gens qui sont très distants.
Trop fusionnel, ça pue. Trop distant, ça pue aussi. Un rythme normal, c'est de répondre dans les 2-3 heures max et non pas tous les 4 matins, comme dit Mélanie. Et déjà, s'il commence à répondre tous les 4 matins, vous n'investissez rien. Quelqu'un qui est intéressé va répondre dans les 2-3 heures max, ou vous dit « je suis dans l'avion, j'ai 12 heures d'avion, je te réponds plus tard ». Mais où il vous dit « j'étais dans l'avion, on ne se connaissait pas encore, je suis en train de partir pour un voyage, nanana ». Vous ne devez rien accepter et ça marche dans les deux sens. Vous ne devez pas, vous les garçons, repeindre leur maison, etc., leurs appartes, faire leurs trucs administratifs, etc. Alors, je continue. Donc, dans le décodage, toujours, on a 6 points à vérifier. L'impact des ex, la fameuse Cruella qui l'a traumatisée. Le mec sort d'une histoire avec une Cruella. La fille sort d'une histoire avec un bad boy. Vous oubliez, vous n'êtes pas là pour réparer ce que l'autre a fait. Les ex qui sont tellement présentes qu'elles habitent encore avec, chacun dans une chambre différente, soi-disant. Mais comme par hasard, 3 mois après, la fille est enceinte. Donc l'impact des ex, c'est important. Mais le fait de ne pas avoir eu d'ex depuis trop longtemps, c'est important aussi. Et ça pose question. Les relations de guérison, donc là, c'est en gros se servir de vous parce que l'autre a été abusé. Maintenant, si vous aussi, vous sortez d'une histoire pourrie, la relation de guérison peut être intéressante, sauf s'il y en a un qui guérit plus vite que l'autre et qui veut bien sûr passer à autre chose. Donc, que vous vous guérissiez de l'autre et que vous avanciez ensemble parce que vous avez guéri à peu près en même temps, ok, mais que vous soyez le pansement, l'infirmière, ça, certainement pas. Les relations de vengeance, évidemment, c'est plus subtil parce que l'autre, il ne va pas vous dire « je vais me venger », on est d'accord. Mais il va quand même vous faire payer quelque chose que lui a vécu. Et ça arrive très souvent chez les coachés que je vois. Ça arrive très, très souvent. C'est même, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est très fréquent. Les vies cloisonnées, donc vous l'avez compris, des doubles vies, pas forcément des doubles vies féminines, mais des activités auxquelles vous n'êtes pas invité, comme ses amis, son sport, au bout d'un an, vous ne connaissez toujours personne. Donc là, il y a un problème. Les addictions cachées que vous n'allez pas découvrir tout de suite, les plus fréquentes étant bien sûr l'alcool, la drogue, le porno, la séduction, les applis. Et puis les mensonges façon Joconde. Alors la Joconde, vous avez compris, ce fameux sourire énigmatique, c'est quelqu'un qui va soit avoir l'air énigmatique, genre tu dois deviner, mais t'as bien compris, et vous allez interpréter le truc à votre façon, et vous interpréterez peut-être de travers, va vous renvoyer des réflexions à la Joconde touch, c'est-à-dire quelque chose de pas clair, comme quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, quelque chose du type entre la séparation, le divorce est flou. Il dit qu'il est divorcé, mais en fait, il est en instance de divorce. En fait, ça se passe dans sa tête et il habite toujours avec son ex, pour caricaturer. Les mensonges façon Joconde, c'est quelque chose que l'autre veut vous imposer, mais il est en train de vous manipuler, parce que si vous saviez ce qu'il est en train de vous cacher, vous lui diriez « Salut, tu pues !» Grave. Donc, c'est très fréquent aussi d'avoir les mensonges façon Joconde. Je viens d'inventer, hein. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, j'aime bien l'idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.